Ils sont venus du Sénégal, de Mauritanie et d'autres pays en quête de démocratie, de respect et d'herbes plus vertes aux États-Unis, selon leurs mots. Mais depuis fin juillet, ces centaines de migrants passent la nuit à la Belle Étoile, devant un hôtel de New York, dans l'espoir d'obtenir un hébergement que la municipalité est légalement tenue de fournir à tout réfugié, demandeur d'asile ou migrant économique. Le travail, c'est lent. Il ne prend pas 10 personnes. Il attend pendant 4 heures, 6 heures de temps pour prendre encore 10 personnes. Ça, c'est lent. Là, c'est choquant. Pour cela, on est arrivé. On est passé beaucoup de pays pour arriver là et on a souffert. On a souffert. Si on est venu ici parce qu'on a confiance à ce pays-là. Près de 1800 personnes sont actuellement hébergées aux frais de la municipalité dans des foyers, hôtels et appartements vacants. Mais la ville américaine qui a bâti sa légende sur des vagues successives d'immigration affirme aujourd'hui manque de place pour les derniers migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'aide. La situation ne va pas s'améliorer. À partir de maintenant, c'est la descente. Il n'y a plus de place. J'étais au Roosevelt samedi. J'y suis allé dimanche. La file d'attente tout autour du pâté de maison faisait mal aux entreprises. Ça ne va pas s'arranger. Depuis avril 2022, quelques 95 000 migrants, majoritairement d'Amérique centrale et du Sud, sont arrivés dans la grosse pomme.